Bonjour à tous. Nous allons poursuivre nos réflexions dans le cadre du colloque des 25 ans du CELDAC, le colloque 7.3, de la prise en compte des risques collectifs liés aux vulnérabilités durant la pandémie de COVID-19. Je remercie vivement Madame Chevrier, responsable de formation à l'École supérieure européenne de l'intervention sociale, de nous éclairer sur la situation d'un public particulièrement vulnérable, à savoir les majeurs protégés. Nous allons nous interroger sur les suites de la pandémie, sur les populations vulnérables, quand elles vivent chez elles ou en EHPAD, mais aussi sur les retombées visant à des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Avec ma collègue Julie Matussi, comme moi, maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace, nous avons en effet, madame, je vous dis quelques questions à vous poser pour mieux comprendre la situation. Et avez-vous la possibilité de nous faire un petit état des lieux de la situation des majeurs protégés à l'issue du confinement dans notre région, bien sûr, et je suis particulièrement intéressée par cela puisque j'interviens dans le cadre de la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et donc avec vous dans cette maison, ben, je parle depuis des années de ces majeurs protégés. Voilà, peut-être un bilan. Merci. Merci Madame Copin de m'avoir invité donc à ce colloque. Merci Madame Matussi également d'être présente aujourd'hui. Alors en ce qui concerne la situation sur le territoire, alors peut-être non pas de la région Grand Est, mais au moins du département du Bas-Rhin, hein, qui est un territoire que l'on couvre en termes de formation MJPM à l'ESEIS. Alors, je scindrai deux périodes. La première période qui relève du premier confinement l'année dernière, à partir de mars 2020. Une deuxième période qui englobe à la fois les confinements deuxième et troisième à l'automne 2020 et au printemps 2021. Pourquoi? Parce que, un petit rappel quand même sur ce contexte qui est très particulier lors du premier confinement. Ce confinement a bien sûr surpris les professionnels, comme tout autre professionnel du secteur social et médico-social, voire même sanitaire, et il a fallu s'organiser pour pouvoir assurer une continuité de service auprès des majeurs protégés. Alors, sur ce premier confinement, je ferai également une sous-distinction entre les lieux professionnels, puisque vous savez, tout comme moi, le statut des majeurs protégés varie en fonction des lieux d'exercice. Alors, en ce qui concerne les associations, les services tutélaires qui engagent des professionnels en tant que salariés, bien évidemment, ces associations ont mis en place très vite un télétravail et progressivement vers la sortie du premier confinement ont autorisé quand même certains mandataires judiciaires à revenir très rarement et par mouvement. La plupart du temps, c'était basé sur le volontariat des salariés, de revenir par mouvement dans la structure pour pouvoir réaliser un certain nombre de démarches et de travaux en direction des majeurs protégés. En ce qui concerne les professionnels qui exercent en qualité de préposés d'établissement, c'est-à-dire qui interviennent dans des établissements médico-sociaux, de petits services, adossés la plupart du temps à des maisons de retraite, des EHPAD ou des centres hospitaliers, les règles, hein, le respect des règles sanitaires hein, ont été très rigoureusement respecté, donc ça a été quasiment du télétravail en permanence pendant le premier confinement. Et les troisièmes, ce sont les mandataires judiciaires indépendants, ils sont, particularité barinoise, un petit peu plus nombreux hein, que dans les autres départements, on est à peu près à un petit peu plus de 70 MJPM indépendants sur le territoire barinois. Effectivement, l'organisation pendant ce premier confinement était très variable et dépendait bien évidemment de chacun d'eux, puisqu'ils étaient libres d'organiser hein, le maintien d'activité en vérifiant bien sûr que toutes les règles sanitaires étaient bien respectées. Alors, tout ceci pour dire que la situation des majeurs protégés va être peut-être différente en fonction du maintien d'activité
en télétravail ou pas, va être différente en fonction aussi des endroits du territoire parisien. On s'est rendu compte que les situations étaient extrêmement diverses et également en fonction de la mobilisation, bien sûr, des GPM, qui, mobilisation extrêmement forte, hein, puisque pendant ce premier confinement, le tribunal assume une activité réduite, les services de l'État également maintiennent un minimum d'activité, donc on voit bien une situation extrêmement contrainte. Alors, des témoignages qui me sont revenus des professionnels, la plupart du temps, donc il n'y a plus de visite à domicile dans les services, pour les services tutélaires. Plus de visites à domicile auprès des majeurs protégés, avec un maintien de contact par téléphone la plupart du temps. Et puis, ce sont les mandataires judiciaires indépendants qui, pour certains d'entre eux, ont maintenu les visites à domicile dans un contexte extrêmement risqué également. Alors, pourquoi ont-ils maintenu les visites à domicile? Eh bien, parce que dans certains endroits du Bas-Rhin, vous avez eu énormément d'intervenants à domicile qui sont tombés malades, qui ne pouvaient plus intervenir et qui laissaient des majeurs protégés qui sont encore, en règle générale, majoritairement maintenus, bien sûr, à domicile, qui restaient sans intervenants extérieurs. Je voudrais juste ajouter que là, par rapport à ce point, les majeurs protégés en EHPAD, on avait encore d'autres soucis, parce que là, les visites étaient interdites, même pour les MJPM. Hein, et donc, oui. Du coup, c'est vrai qu'il y a une situation très différente selon que le majeur est chez lui ou dans sa famille, tout seul, ou qu'il est en retraite. Bien évidemment, à la différence quand même de ça, c'est qu'en EHPAD, vous aviez quand même une équipe de voyance, d'intervenants sociaux qui maintenaient, dans la mesure du possible, leur présence auprès des personnes âgées. Dans la mesure du possible. Parce que je commençais par le maintien à domicile, puisque c'est la règle maintenant, quand vous reportez aux politiques publiques, bien évidemment, tout en direction des personnes âgées, mais aussi en direction des personnes en situation de handicap, là, véritablement, vous avez un maintien à domicile qui oblige, bien sûr, la société assurer un certain nombre de services à domicile, services à domicile assurés par des soignants, hein, dans des services type SIAP, hein, services de soins d'intervention à domicile, mais aussi d'intervenants sociaux, que sont les ABS, les auxiliaires de vie sociale, les ménagères, etc., hein, les AES, les accompagnants éducatifs et sociaux. Donc pour cela, maintien d'activité, bien évidemment, dans la mesure de leur possibilité et dans la mesure des effectifs, hein, également, puisque c'était une gageure également pour leurs propres employeurs, mais vraiment une situation un petit peu plus périlleuse pour des majeurs protégés qui se sont retrouvés ben, pendant quelques jours, pour certains d'entre eux, à attendre contact, intervention. Donc j'ai eu un témoignage notamment d'une mandataire judiciaire qui m'a dit que progressivement, elle était vite organisée pour faire les courses et déposer des paniers de courses devant les portes d'entrée des majeurs protégés qu'elle suivait. Elle s'assurait également qu'ils avaient pu se lever, faire un petit brin de toilette dans la mesure de leur possibilité, essayer un petit peu de déjeuner. Et puis de leur rappeler aussi quelles étaient les règles aussi de sortie qui parfois n'étaient pas toujours comprises pour des personnes en situation de handicap, notamment de handicap psychique, et pour des personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, puisque bien évidemment aujourd'hui les majeurs protégés ne sont plus exclusivement des personnes âgées, mais concernent aussi de nombreuses personnes en situation de handicap. De personnes confrontées à des addictions et à des maladies psychiatriques. Et puis, aujourd'hui, la dernière tendance, la plus récente, qui concerne de plus en plus une tranche d'âge, comme vous l'aurez auparavant, les 20-40 ans, touchés de plein fouet aussi par une précarité socio-économique. Donc, on voit bien l'extrême difficulté hein, à concilier effectivement différents modes d'intervention et à domicile et en établissement. Alors, les courses, bien évidemment, c'est vite rendu compte aussi que vous aviez d'autres difficultés, puisque le confinement était prolongé et perduré. C'était eh bien, de
pouvoir faire ces petites courses avec un peu d'argent. Alors, vous savez bien, en fonction du degré de protection qui est décidé par le juge, que ce soit une tutelle ou une curatelle, vous avez des petites pécules qui sont allouées aux majeurs protégés, mais cet argent n'était pas disponible aux distributeurs, parce que les majeurs protégés doivent se rendre au guichet des banques, les banques étaient fermées, et la plupart du temps, les petits commerçants, les buralistes, n'acceptaient plus, pendant le premier confinement, des distributeurs. Donc, véritablement, l'obligation de maintenir un service minimum assez vital quand même pour toutes ces personnes, de manière à leur assurer un minimum de continuité de service. Et puis, je dirais, dans un deuxième temps, est venu ce besoin clairement repéré par les mandataires judiciaires d'organiser un maintien du lien, un contact par la parole, par le biais de permanence, pour pouvoir contacter régulièrement les majeurs protégés, les rassurer, leur expliquer ce qui se passait et vérifier que tout allait bien, que les démarches du joint s'imposaient. Donc, situation extrêmement variable, puisque dans d'autres endroits du territoire, voilà, d'autres majeurs, d'autres mandataires judiciaires, notamment du proche de Strasbourg, n'ont pas rencontré ces difficultés-là. L'intervention domicile a pu être maintenue, des contacts avec une personne de l'État ont pu être maintenus. Donc, on voit quand même qu'on a pu réaliser quand même son activité dans des conditions certes dégradées, mais quand même le travail est effectué. Donc voilà, la situation est très contrastée. Est-ce que vous diriez que les droits, grâce à ces bonnes volontés, les droits fondamentaux ont été globalement respectés, donc pas trop régressés pendant cette période? Alors nécessairement, la question de la protection amène à restreindre les droits et libertés fondamentales. Pour ceux qui sont maintenus à domicile, c'est dans le même ordre des choses que pour tout un chacun. Donc vous n'avez pas le droit qui guidait particulièrement les majeurs protégés dans ce cadre-là. En revanche, je vous touche en institution, parmi les EHPAD de tout à l'heure, la question s'est peut-être posée en d'autres termes, avec une grosse responsabilité qui reposait sur les directeurs et directrices globales, avec la nécessité de concilier cet impératif crucial de protection physique et un impératif, bien évidemment, de respect d'un minimum de droits et libertés fondamentales. Et là, j'ai eu plus de difficultés. Très bien. Alors, effectivement, les majeurs protégés ont beaucoup été affectés par cette situation, par leur isolement, et cela a affecté leurs droits fondamentaux. Parmi les droits fondamentaux, il y a aussi la question de la dignité. Est-ce que ça peut concerner aussi ce public? Oui, bien évidemment, le droit à la dignité n'a pas été garanti de la même façon qu'en temps normal pendant cette période, que ce soit pour les majeurs protégés maintenus à domicile, là encore, parce que pendant quelques jours, certains d'entre eux se sont trouvés un petit peu livrés à eux-mêmes sans intervenir extérieur, et puis également en institution. Alors évidemment, les équipes disciplinaires ont pu trouver à certains moments des moyens, on fait preuve d'imagination aussi pour pallier parfois aux insuffisances liées à la situation. Alors ça relève, vous parliez tout à l'heure des relations familiales, du contact avec les autres. Certains ont fait le choix, par exemple, de pouvoir projeter des vidéos sur le mur, parce qu'une personne âgée, une personne en situation de handicap, en voyant sur le mur, n'avait peut-être pas le même ressenti en le voyant sur l'écran. Ça n'est qu'un petit moyen. D'autres se sont organisés au moment de la prise des repas, dans les institutions. Enfin, voilà, chaque professionnel a pu innover au sein des équipes pour essayer de pallier. Mais bien évidemment, cette crise va nous amener aussi à réfléchir, éventuellement à la mise en place d'autres façons d'intervenir si une autre pandémie se fait, bien évidemment. Alors, justement, tout à l'heure, vous avez beaucoup insisté sur l'impératif de maintenir un contact avec les majeurs protégés. Moi, je me demandais s'était noué, en plus des partenariats habituels avec d'autres acteurs de terrain, des dispositifs spécifiques
qu'éventuellement, des aides qu'on a eues, et est-ce qu'éventuellement, vous envisagez de pérenniser? Alors, dans la mission du mandataire judiciaire, fait partie un travail de partenariat, c'est-à-dire que le mandataire doit pouvoir travailler en partenariat avec des soignants, avec des intervenants sociaux, hein, professionnels, assistants de services sociaux, éducateurs de spécialité, etc. Donc, la mission du mandataire inclut, a fonctionné, inclut nécessairement le maintien d'un réseau de partenaires. Là, c'est un niveau compliqué, puisque les partenaires étaient appelés aussi par leurs difficultés à gérer un temps particulier. Donc, vous avez eu des initiatives ponctuelles sur le territoire, un peu de mouvement, de mandataires judiciaires avec des psychiatres, avec des soignants, des étudiants, pour mettre en place une plateforme d'écoute auprès des majeurs protégés. D'autres mandataires ont fait état parce qu'ils avaient des stagiaires MJPM dans leur cabinet, mis en place des permanences, des stagiaires, chaque jour, devaient contacter systématiquement tous les majeurs protégés pour s'assurer qu'ils allaient bien, et puis surtout pour parler, échanger. Donc le lien était maintenu, des initiatives ponctuelles, très diverses sur le territoire, et qui demanderaient bien sûr à être réfléchies d'une autre façon, de manière que ça puisse se déclencher systématiquement. Donc peut-être un regroupement plus large, un travail en partenariat plus large déjà entre les mandataires judiciaires eux-mêmes et avec le personnel social, le niveau social et sanitaire de Troyes. C'est fort intéressant et effectivement, on va remercier tous les MJPM qui nous écoutent, qui nous écouteront peut-être, ou les futurs MJPM de cette école. Voilà. Et en tout cas, est-ce que vous avez une vision sur l'avenir? Est-ce que vous avez pensé à des leçons que l'on pourrait tirer de cette pandémie? Parce que dans tous les domaines, c'est toujours comme ça, quand il y a une catastrophe sanitaire, quand il y a un problème, on met en place dans l'urgence un certain nombre de dispositifs et on se rend compte qu'il y a des dispositifs qui sont drôlement intéressants, importants et qu'on pourrait essayer de garder pour améliorer la situation. Et quand je dis améliorer, c'est pas seulement améliorer la situation des majeurs, c'est aussi améliorer le mode de travail des MJPM, parce que ce n'est pas non plus toujours petit à petit. Et là, je pense en particulier au contact avec le tribunal, hein, parce que c'est vrai que pour un grand nombre de décisions, il faut un accord du juge, enfin, ça complique les choses. Enfin, bon, je ne vais pas partir là-dessus. Donc, mais par rapport à cette crise sanitaire, est-ce que, après tout ce qu'on a subi, il y aura des choses positives qu'on pourra en retirer? Alors, je pense que dans un premier temps, il serait très intéressant que les mandataires judiciaires puissent bénéficier de temps de formation sous forme d'analyse de la pratique, de débriefing, de cette période qui les a fortement mobilisés et éprouvés. On parlait des majeurs protégés, mais nombre de mandataires judiciaires ont été malades. Certains sont décédés de la COVID. Donc, ça a obligé aussi les structures, qu'elles soient cabinet ou service, à se réorganiser. À l'indépendant qui décède, que fait-on de l'activité en cours? Donc, là aussi, c'est une question, c'est une piste de réflexion aujourd'hui. Alors, vous avez l'accessoriste à réagir à ces promptement en nommant des mandataires ad hoc. Mais bien évidemment, le nombre de suivis d'accompagnement supplémentaire vient s'ajouter déjà à une charge de travail qui est constante et récurrente chez les mandataires judiciaires. Donc, véritablement, la sortie de crise doit s'accompagner nécessairement d'une réflexion sur une réorganisation du réseau de manière à être plus rapide, plus réactif si une nouvelle crise venait à se déclencher. Une réflexion peut être menée aussi sur la question du deuil. Je crois que Marie de Wenzel avait écrit un livre, Le deuil interdit, qui
qui a interdit, en fait, pendant cette, ces confinements, le temps de funérailles, le temps de contact avec les familles, l'accompagnement en fin de vie a été véritablement escamoté, ce qui rend impossible ce que vient faire certaines familles. Donc, véritablement, une question se pose sur la suite des événements à donner. Comment réorganiser un temps collectif ou individuel pour marquer aussi ce, ce temps du deuil, pour aider les familles aussi à faire leur deuil de majeurs protégés décédés. Également, on s'est rendu compte qu'on était dans une logique de protection sanitaire du début, et là, tout un champ de réflexion s'ouvre aussi sur la question de, d'une protection qui soit également psychique, sociale, pour aider. Alors, on a parlé des majeurs protégés essentiellement en EHPAD, des personnes âgées aussi qui sont maintenues à domicile, hein, qui sont fort nombreuses, des majeurs protégés qui sont en situation de handicap, mais vous avez aussi un public hein, qui est en situation de grande précarité socio-économique. Donc là, véritablement, avec une difficulté hein, dans l'accès aux soins, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'alimentation, aux ressources. Et là, véritablement, les mandataires se sont appuyés aussi sur les ressources du territoire en termes de distribution de repas, etc., pour voir au maximum à la situation. Et puis, dernier point, bah, peut-être autour de la question du consentement, hein, sur le consentement à la vaccination. Ça, ça a été le dernier point, hein, parce que j'ai beaucoup parlé du premier confinement, mais les deuxièmes et troisièmes confinements ont amené à un infléchissement, bien sûr, des règles de sécurité sanitaire, ce qui a permis aux mandataires de reprendre leur activité dans de relatives bonnes conditions. Mais néanmoins, d'autres questions éthiques hein, se sont posées très vite. Comment informer de manière claire, adaptée, hein, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont confrontées à la maladie psychiatrique, comment les informer hein, sur l'opportunité aussi hein, de se faire vacciner et comment recueillir le consentement de ces personnes. Donc, certains mandataires ont évoqué hein, la difficulté pour eux lorsqu'ils avaient effectivement un mandat de tutelle et à la personne, surtout et à la personne, et le mandat qui les amenait à devoir prendre la décision à la place du majeur protégé en tutelle, qui n'était peut-être pas en capacité de le faire pour assister. Donc, toute la question du comportement est posée avec d'autres effets au plan éthique. Et là, on peut se demander s'il ne faudrait pas aussi que la défenseur des droits qui a mis l'accent sur nos aînés refasse un rapport qui fixe les majeurs protégés, handicapés, malades, etc., pour bien insister aussi sur le fait qu'il n'y a pas que pour les personnes âgées que le consentement doit être donné d'une manière éclairée, etc. Effectivement, il faut qu'on fasse un rapport hein, pour creuser ces questions-là. Est-ce que vous pensez aussi quelque chose qu'on a relevé dans certaines crises sanitaires, qu'il y a quelque chose de positif, c'est la solidarité. Alors là, on le ressent parce que les digitales, ils ont leur travail, ok, mais ils sont aussi solidaires. Ils ont fait des choses qui sortaient peut-être un petit peu de leur mission carrée. Et il y a aussi les voisins qui se sont inquiétés. Alors, vous disiez que les mandataires avaient amené les comptes, je pense qu'il y a aussi quand même des voisins qui l'ont fait, lui, très certainement. Alors, j'ai davantage porté l'accent sur des situations qui sont plus problématiques hein, concernant les majeurs protégés. Néanmoins, des rapports montrés hein, aussi que nombre de majeurs protégés aujourd'hui vivent dans un isolement hein, lorsqu'ils sont maintenus à domicile, soit parce que la famille est très éloignée, soit parce qu'il n'y a plus de famille, donc on vit également. Donc, bien évidemment, vous avez un réseau de solidarité hein, qui nous protégeait tous les citoyens, qui a permis aussi de pallier à des situations quand même dramatiques. Il fallait qu'on termine sur une note positive.
tout cas, on vous remercie vivement parce que cette crise sanitaire, on n'a pas fini d'en parler et on voulait que le CERDAC, notre laboratoire de recherche, montre bien. On avait toutes les réflexions autour de ces thèmes-là et que c'est collectif. Parce que, effectivement, il y a des risques pour ces personnes, ce sont des risques individuels, mais il y a un problème collectif qui se pose ici. Est-ce que on peut. Merci, Bédame. Et à une prochaine fois, dans le cadre des travaux du CERDAC, nous l'espérons. Merci beaucoup, Mme Sophie.